ma télé, je vois un petit gars bien sapé. Il m'a dit que ça craint, que dehors, faut pas y aller. Que si je veux me sentir bien, et puis pour ma sécurité, alors je dois rester chez moi. Aujourd'hui, j'ai pas le choix. Bon bah je me dis qu'il fait froid. Il a peut-être raison, il a l'air tellement sérieux sous ses allures de pauvre con. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle, tous les soirs à 20h. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle. Ensuite ils font parler un type qui a pas l'air de manquer de fric. Il me dit que si je veux respirer, ben c'est pour lui qu'il faut voter. Prendre ma carte du parti, lui filer quelques billets. Il me dit que si l'air est pollué, si les Français sont stressés, c'est de la faute des immigrés, des clochards et des PD. Pareil. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle, tous les soirs à 20h. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle, tous les soirs à 20h. Alors écoute bien mon petit gars, toi qui trône à la télé. Si un jour tu crèves de froid chez moi, faudra pas venir sonner. Et puis si un jour par malheur les rapaces prennent le pouvoir, dis-toi bien que ça sera pas la faute à tous les gens qui broient du noir. De toute façon ne t'en fais pas, ils auront sûrement quelque part une jolie petite place pour toi. T'auras bien fait ton cinéma, t'auras bien fait ton cinéma. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle, tous les soirs à 20h. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle, et tous les soirs à 20h. Bonsoir, alors la CFPPD, je vais vous raconter des petites histoires drôles. Alors vous voyez au Soudan, il y a eu 2660 000 morts. Non, on n'a rien à prendre du Soudan, parce que tu vois, il y a Sherman, elle s'est coupé le doigt, et ça fait vachement mal de se couper le doigt. Et Marcel, il fait des chaussures en bois, je vais se manger les chaussures en bois. Alors tu vois, les mecs, ils sont super loin de